Good morning, allez, il est sur aujourd'hui de Nishmat Richard Aaron Ben Fortuné Mazal, Claude Israël Ben Fortuné Mazal, Elio Vaniche, Lili Rachel Batacher. Si vous souhaitez vous aussi aider nos prochaines études de Mishnah contactez la 5 minutes éternelle, nous étudions Maserhet Shkalim, Perik Vav, Mishnah Dalet. Shlosha Asar Shulchanot Ayuba Migdash, Shmone Shel Shaish, Bevet Amidbachaim, Shaleem Medichin et Akravaim, Ushnaim Bemaharav Akevesh. Echad. של שיש, אחד של כסף, על של שיש היו נותנים את האיברים, על של כסף, כלי שרת. ושניים בעולם, מבפנים, על פתח הבית. אחד של שיש ואחד של זהב. על של שיש נותנים לחם הפנים בכניסתו, על של זהב ביציאתו, שמלין והקודש ולא מורידין. ואחד של זהב מבפנים, שעליו לחם הפנים. מפלט פרמיר המשנה, דון פרמיר המשנה, ג'ופירי כמונה בביבי כפלי, כבי. תחז אונדרור מוספרוסטרני, תחז טאבל את תחז. Aussi, 13 chauffards où on déposait l'argent. Ce sera la suite, la prochaine Mishnah. Dans les deux, dans le Mishnah précédent, on a expliqué c'était quoi les 13, endroits où il fallait se procéder dans le Batamikdash. Maintenant, on va s'intéresser aux 13 tables. C'était où qu'il y avait 13 tables au Batamikdash dans toute la Hazara? Ça se trouvait où? Alors, la Mishnah me dit, Shlosha Asar Shulchanot Ayu Batamikdash. Il y avait 13 tables au total dans le, au Batamikdash. Shmona Shel Shaish Bebet Amidbachaim. Il y en avait 8 qui étaient en marbre, qui se trouvaient au Bet HaMikdash, dans, si je peux dire, les cuisines, c'est pas exactement. C'est plutôt les tables, l'endroit de la Hazara où on sectionnait les animaux. C'est-à-dire, quand on faisait la shrita d'un animal pour asperger son sang, ensuite il y avait certaines parties à prendre, à récupérer, à laver, et ensuite à apporter sur le misbar pour le faire monter. Si c'était une hola, il fallait entièrement la sectionner et la faire monter. Du coup, il fallait des tables pour travailler. D'accord? On avait donc là, c'était ça, le Bet HaMidbachaim. Je sais pas comment on va traduire ça. Midbach, ça se traduit aujourd'hui en une cuisine en hébreu moderne. Mais en réalité, ça vient du mot tabach. Tabach, c'est le boucher, c'est là-bas où on décortique l'animal, on le fait sortir les parts, on les nettoie. Et donc, Shalem, qu'est-ce qu'on faisait là-bas? Shalem Maidichin avec Kravaim. Là-bas, on lavait, on nettoyait proprement les Kravaim. C'était toutes les entrailles qu'il fallait prendre. Il fallait les faire monter sur le misbéach. Quand on les faisait monter sur le misbéach, on les vidait, on les nettoyait, que ça montait proprement. Que ça avait... Et voilà. Ça se passait là-bas sur ces 8 tables. C'est-à-dire, pour vous donner une petite idée, je vous ai dit dans le cours précédent qu'on monte toujours en direction du Maharav. On rencontre en plein milieu le gros misbéach, très long, il fait 32 amas, 16 amas, 16 mètres sur 16 mètres, un gros carré avec une grosse pente sur du sud pour monter, et lui, là, il s'arrête à peu près vers le milieu de la Hazara. De l'autre côté, c'est le nord, la partie nord, là-bas, il y avait les tabahot, et il y avait les shulchanot, il y avait toutes sortes de choses qui étaient faites là pour pouvoir s'occuper des korbanot, les vider, les sectionner, les monter. Là-bas, il y avait donc les 8 tables, et sur ces 8 tables, se partager le travail, s'il fallait laver les intestins pour les faire monter sur le misbéach proprement. On a fini maintenant avec, on a déjà fait 8 maintenant. Ushnaim bema'arav akevesh, et 2 qui étaient à l'ouest de la pente. C'est-à-dire, on a le gros misbéach devant nous, derrière on aura le kotchagot. J'entre de l'est, j'avance, je traverse la Ezrat Israël, je monte quelques marches, je traverse la Ezrat Kohanim, je me retrouve maintenant devant le misbéach. Le misbéach il fait 32 amas sur 32 amas. Il y a une rampe sur laquelle on monte. C'est-à-dire, celui qui veut monter doit partir jusqu'au fond, là-bas, dans la partie sud, et il monte de là-bas, sur le misbéach. Là-bas, à côté de l'endroit où on monte, sur la partie ouest, donc on est dans le camp là-bas, il y avait là-bas 2 tables. Ushnaim bema'arav akevesh. Il y avait 2 tables qui étaient à l'ouest de la rampe. Echad shel shaish ve'echad shel kesef. Une qui était en marbre et l'autre qui était en argent. Al-Shal-Shaïch, Ayonotnim et Avarim. Sur celle qui était en marbre, on posait dessus les membres des animaux à faire monter, le membre des corbanotes à faire monter sur le misbéach. C'est-à-dire, si on avait apporté n'importe quel corban qu'il fallait apporter, c'était pas qu'une fois qu'on avait lavé sur les premières tables, les shulchanot, on avait lavé les kervaïm et puis après on le prenait, on le faisait monter sur le misbéach. Non, il y avait un ordre au Beth Amikdash. On partait, on les posait là-bas sur la table, et il y avait un délégué qui s'occupait de les prendre et de les faire monter sur la rampe, pour ensuite aller les faire brûler. D'accord? Celle-ci, elle était en marbre,
Les Khadj al-Kesef, il y en avait une deuxième qui était en argent, en pur argent. Que qu'est-ce qu'on faisait? Alors, à l'échelle Shaïch, à Yonotimatavarim, celle qui était en marbre, on déposait les membres qu'il fallait faire monter sur le Mizbeach. À l'échelle Kesef, Klécharet, sur celle qui était en argent, on déposait les Klécharet, les ustensiles avec lesquels on utilisait pour le Mizbeach, pour faire monter les korbanot, il fallait des fourches, il fallait toutes sortes de choses, on les déposait sur cette table qui était en argent. C'est quoi l'histoire que je retenais? Pourquoi le Martin insiste sur ça plusieurs fois? Pourquoi à chaque fois on a des tables en marbre? Une table en marbre, elle est naturellement froide. À la différence d'une table en métal, que si on est à Jérusalem, déjà depuis le mois de mars-avril, ça commence déjà à taper, et plus on avance, plus ça tape fort. Si on va avoir une table en argent, elle va être très, très chaude, et si elle va être chaude, elle va nous faire tourner la viande. Bien que vous allez me dire qu'il y avait un miracle au Beth Amikdash, que c'est un des 10 miracles qu'il y avait constamment au Beth Amikdash, qu'il n'y avait aucune viande qui pourrissait. D'accord? C'est marqué au Farage dans le Mishnah dans la Saran, ici, Nasola Otenu Beth Amikdash, notre Shalo Yisriach. Bassar, Bebet, Mitbachaim, je ne sais plus comment c'est dit exactement dans le Mishnah, mais en tout cas, il y avait le Yisriach, ça ne tournait jamais. Donc du coup, on aurait pu même mettre une table en argent. Malgré tout, en somme, la NES, a priori, on se fonde pas sur un miracle. On ne s'appuie pas sur un miracle, que Hachem va nous faire un miracle. On se conduit de manière naturelle, et si toutefois on a eu un problème, alors Hachem, il décidera de faire un miracle, peut-être. Mais en Hachem, toujours. Maintenant, donc vous avez bien compris la règle, c'est pour ça qu'il fallait veiller à mettre une table en marbre pour ne pas, nous, de notre côté, on fait toute notre riche tadlout, tous nos efforts pour que la viande ne va pas pourrir. D'accord? Donc on en était maintenant, on avait 8 tables et 2 tables. Ça, on arrivait à 10, il nous en manque encore 3. Ushnaim baoulam, il y en avait 2 maintenant dans le hall d'entrée, dans le Echal, donc maintenant on continue l'avancée. On a passé le Mizbeach, on a encore des marches qui vont nous faire entrer dans le Oulam pour ensuite arriver au Echal. Au Echal, je vous le dis tout de suite, ça va être la fin de la Mishnah, il y avait là-bas tout au fond le fameux Shulchan du Lechem Apanim, la fameuse table qu'on expliquera ensuite, où là-bas on déposait les 12 pains. Mais avant d'arriver au Echal, où il y avait donc cette table en or, on avait tout d'abord, quand on entrait dans l'Oulam, dans le préau, si je peux dire, du Echal, alors là-bas il y avait aussi 2 tables. Ushnaim Baoulam, Mibifnim al Petach Habet. Il n'y avait que 2 qui étaient dans l'Oulam, donc l'Oulam c'est le hall d'entrée. Et à l'intérieur, Al-Petach Habayit, en direction de l'ouverture de la maison, d'accord? Echad Shel Shaish veEchad Shel Zav. Il y avait donc 2 tables, une qui était de nouveau en marbre, et l'autre qui était en or. Qu'est-ce qu'on faisait dessus? Al-Shel Shaish, Notnim Lechem Apanim Biknitzato. Sur celle qui était en marbre, on déposait le pain, du Lechem Apanim, les 12 pains du Shabbat, que lorsqu'on entrait. Et celle qui est en or, on déposait les 12 pains qu'on avait retirés chez Malin Bakudesh Velo Moridin. Car, c'est une grande règle, quelque chose qui est kadosh, on va que en améliorant sa qualité et pas en le descendant à un niveau, en le dégradant à un niveau moins aiguisé. Vous ne devez pas tellement comprendre, je suis entièrement d'accord, je vais vous expliquer dans 30 secondes, je finis d'abord la dernière phrase parce qu'elle est importante. Et il y avait à l'intérieur du Echal, profondément, une table qui était toute recouverte en or, une grosse plaque d'or avec toute la misguerette, comme la Torah nous précise de le faire, Shalav Lechem Apanim Tamid, que là-bas était déposé le pain du Lechem Apanim. En fait, si vous voulez comprendre ça, c'est pas compliqué, il faut expliquer un petit peu l'histoire du Lechem Apanim. Le Lechem Apanim, on avait appris ça dans Menachot plus longuement, le Lechem Apanim, c'est les 12 pains, à Shabbat, il y avait un travail spécial, une avoda spéciale à faire au Beth Amikdash, un rituel, d'apporter 12 pains qu'on mettait sur cette table, qui restait d'une semaine à l'autre. On retirait les anciens pains de la semaine d'avant. Les Kohanim mangeaient ces 12 pains. Il fallait prendre la Levona, une encens, la faire monter sur le Mizbeach. Et les Kohanim mangeaient les restes des 12 pains du Lechem Apanim. D'accord? C'était le Siman que la Bracha, le Shabbat, la Bracha à tout le peuple d'Israël. Et grâce au Shabbat, justement, on laissait ce pain. Et grâce au Shabbat, toute la semaine, on recevait sa Bracha. C'est un peu le symbole de cette mitzvah merveilleuse. Il y avait un miracle, d'abord, sur ce pain, c'est que, avant d'arriver au miracle, d'abord, ce pain-là, on ne le faisait pas cuire pendant Shabbat. C'est un pain qu'on faisait cuire depuis le vendredi. Il y avait un miracle qui se passait, c'est que ce pain-là, on le faisait cuire, il sortait chaud et bon du four, il restait chaud et bon pendant une semaine, jusqu'à que les Kohanim le récupèrent, et après ils vont se le partager, et ils vont le manger. Il restait bon, chaud et frais. Ok? Malgré tout, selon le même principe, notre devoir, il n'est pas de nous fonder d'espérer que Hachem va nous faire un miracle. Donc on fait toute notre issadoute pour que notre pain ne va pas pourrir. Du coup, même principe, on va le déposer
depuis le vendredi après-midi, lorsqu'on a fini de le faire, on va faire que le rituel que le Shabbat matin. On le déposait sur une première table en marbre, qui est froide, de manière à ce que le pain ne va pas pourrir, moisir, tourner. On le déposait dessus. Maintenant, il y avait le miracle qui se passait, que ça restait chaud. Jusqu'au Shabbat matin, les Kohanim venaient selon le rituel exact qu'ils prenaient d'après dans le Menachot. Ils devaient prendre ces pains, les amener là-bas. D'autres Kohanim venaient retirer les anciens pains. Les anciens pains qu'on retirait, il fallait les partager entre les Kohanim. Mais deux minutes. D'abord, on va les poser, on va finir les rituels du Shabbat, tous les Moussafim et tout ça. Et après, seulement les Kohanim, ils vont se partager, ils vont le manger. Pendant ce temps, où on dépose ce pain, il y avait une deuxième table. Cette fois-ci, la deuxième, elle était en or. Pourquoi? On a une grande règle. Quelque chose que tu as fait passer sur une table en or, pour le respecter, donc en l'occurrence, les 12 pains, pendant toute la semaine, ils étaient déposés ensuite sur la table qui était en or, le Shulchan Azav, à l'intérieur du Echal. Lorsque tu les retires de là-bas, tu ne peux plus les mettre sur une table en marbre. Tu devras les mettre sur une table qui est au minimum en or, avec le même niveau de prestige que là où est-ce qu'ils étaient, auparavant. De ce fait, on a donc trois tables à l'intérieur. Une table sur laquelle on va déposer des pains depuis le vendredi après-midi jusqu'au Shabbat matin, ou midi plutôt, lorsqu'on va faire le rituel des 12 pains. La table, concrètement, où est-ce qu'on va déposer des pains d'une semaine à l'autre, c'est le temps que je gâchime, et lorsqu'on est en plus de ça, pour retirer les pains, pour les déposer, il y avait une deuxième table au Echal, qu'une fois qu'on avait sorti les pains, on les posait sur cette table qui était de nouveau en or, en attendant qu'on finisse tous les rituels du Shabbat, pour ensuite que les Kohanim se les partagent. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Hatzlacha comme tout, c'est là.